Hello tout le monde, nous sommes samedi, vendredi, bah voilà, ça commence bien, super. Je me réveille, je suis en pyjama, mais je vais aller voir Fabulette, la petite chienne blanche là, avant de prendre mon petit déjeuner, parce que si je me pose pendant une heure et tout, la pauvre, faut juste pas que je croise leurs voisins et mes voisins. Au pire, j'avoue que je m'en tape. Donc let's go, ça commence, c'est une journée pas très chargée aujourd'hui. Enfin, j'ai des choses à faire, mais en vrai, je vais pouvoir me poser un petit peu. L'info peut pour être heureux, comme dirait un certain Balou, grand philosophe. Alors, comment vais-je être accueillie aujourd'hui? Fabulette, on est sur un mode balai-couilles. Coucou Fabulette. Je crois que ça va être un échec. Définition de s'en battre les reins, c'est cette définition-là. Regardez ce flow avec lequel je suis venue. S'en battre les couilles, c'est aussi cette définition-là. Il faut faire pipi, madame. Oh. Vous vous rendez compte, je vais forcer un chien à sortir. C'est bien le premier chien avec qui ça m'arrive, ça. Coucou ma belle. Ah, mais va pas à la gamelle, hein. Non, je suis pas venue donner à manger. Viens, t'es mignonne. On va essayer d'aller faire pipi. Enfin, pas moi. Moi, je fais dans des toilettes. Elle va encore s'arrêter à la fenêtre. Attention. Oh non. Oh oui. Mais quelle victoire. Mais oui. Fabulette est sortie. Oui. Ah oui, mais là, on n'est pas du tout sur l'objectif souhaité, là. Le but, c'est pas que tu dormes dehors. C'est un échec, c'est un échec. Ça y est, me voilà rentrée. Du coup, petit déjeuner. On change pas une équipe qui gagne. Oui, j'ai reçu un petit colis cure parce que je suis devenue une cliente de cure. Hein. Je reçois plus gratuitement, hein. je suis devenue une cliente tellement je kiffe. J'ai toujours un code promo si vous voulez. Et en fait, ensuite, je vais pas me poser. Je vais faire du montage pour un TikTok que je poste ce soir. Je vais faire du montage des jours d'avant du vlog. Je dois aller amener un colis absolument à un point relais ce matin. Il est déjà 10h15. Donc en fait, je pense que ça va être ça en premier, sachant que je dois faire ma douche pour mes piercings OTT. Bon, petit outfit du jour, très simple, mais très printanier. Une robe t-shirt en coton, parce que vu que, voilà, pour les tétés en fait, qui viennent d'être percés, il faut porter que des vêtements en fibre naturelle, donc coton, bambou, des trucs comme ça, donc t-shirt Freddie Mercury, of course. Et des petites Converse à plateforme, qui sont neuves, ça se voit, du coup faut que je les fasse à mes pieds, pour pas avoir d'ampoule, mais elles sont trop belles. Voilà, j'adore. Bon bah je profite d'amener mon petit collier dans mon tote bag Animal Crossing. Je profite pour faire ma petite balade. En plus il fait hyper beau, il fait déjà hyper chaud. J'ai pas mis de crème solaire, je suis en train de penser à mes tatouages. Ah je regrette, mais c'est pas grave. Ça me fait ma première balade de la journée. J'ai une tête d'œuf. Je vous réponds seulement maintenant, il est 18h34, mon après-midi ne s'est pas passé comme prévu. Bon, pour vous la faire courte, en gros, j'ai été voir Fabulette pour lui donner à manger. Et j'ai croisé la fille des propriétaires et en fait, le feeling est trop bien passé. Elle m'a proposé un thé, je suis restée plus de 2 heures avec elle. Voilà, je suis rentrée, j'ai voulu faire une petite sieste. J'ai dormi 2 heures ou 2h30. Là, il y a un truc que je veux absolument faire aujourd'hui. Vous allez voir un petit peu les coulisses et je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Attendez, je vous pose, vous êtes lourd. Vous êtes aussi lourd que mon humour. Vous allez voir un petit peu les coulisses d'Insta, de tout ça. Là déjà, il faut que je poste un TikTok qui est prêt, donc je vais le poster maintenant. Et là, j'ai une collaboration, je suis trop contente, qui arrive sur Instagram. Donc une collaboration rémunérée. Donc dans ce cadre-là, il y a un contrat, il y a forcément une rémunération, il y a des choses à respecter. En plus, c'est une collaboration, enfin moi j'accepte que les collaborations qui ont du sens, qui vont avec mes valeurs. Là, c'est avec une marque de slow fashion. Du coup, c'est pour des stories que je vais publier dimanche, mais je vais les préparer maintenant. Donc, vous allez voir les coulisses, un petit peu de ça. Et les vêtements que j'ai reçus en plus, ils sont trop beaux. Enfin, je vais vraiment les porter, ils sont vraiment magnifiques. Faut que j'amène mon ordi avec moi parce que dessus, il y a tout. Enfin, j'ai un peu ce qu'on appelle la guideline. Donc, en gros, ce que je dois un peu dire. Après, je dois le dire avec mes mots, mais dans les grandes lignes, ce qu'ils veulent que je mette en avant, le code promo, le lien. Enfin, je dois tout préparer, tout bien. Et puis voilà. Donc, je vais faire ça, je vais vous montrer tout ça. J'avais pas essayé les vêtements avant là. Oh, incroyable! Oh, c'est trop beau! C'est une robe sweet, mais qui taille trop bien. À la taille et la longueur, elle est parfaite. Ah, je suis trop belle! Et la deuxième tenue, elle va être trop belle aussi. Mais vous verrez ça sur Instagram. Désolée, je filme au téléphone du coup. Vous voyez bien tout mon bazar, dont un soutien-gorge. Super. Donc voilà le setup. J'ai une petite softbox. Ma petite caméra qui normalement sert à vlogger, mais qui là va servir pour les stories. Mon petit ordinateur avec en gros le petit brief des stories que là je dois faire. Let's go filmer ça. Alors, mentionner les lunes. Non, mais insérer code promo.
promo dans la deuxième et dernière semaine. Donc la notion du partenariat est obligatoire, hein, ça je le fais tout le temps. Hello tout le monde, je suis trop contente puisque aujourd'hui je reviens avec une collaboration là vraiment qui est totalement dans mes valeurs. Donc... Ah, ils sont mes scotch pour les transitions, ils sont là. Ah, sauter quand on tente bien de se faire des piercings, c'est pas terrible. Oh, il est oufissime. Deuxième pièce que j'ai pu choisir. Je me change, j'arrive. Oh, il est canon. Oh, je suis trop fan. Hop là. Et là, vous voyez, je l'ai mis avec ce pantalon. Le body que je porte, c'est le body... Eh ben, je sais plus. Hop là. Donc là, normalement, les stories sont filmées. Je vais prendre des photos, mais pour ça, j'ai besoin de mon téléphone. Donc, je vous laisse. Et voilà, du coup, les stories sont tournées. J'ai tout mis sur mon téléphone. Il faut que je rebascule les vidéos aussi sur mon ordinateur, parce que là, j'ai du montage à faire. Je sais pas si vous avez capté dans ce que j'ai filmé, mais en fait... Je fais des transitions pour les tenues et tout. J'ai envie de faire des stories propres, donc je vais faire du montage quoi pour que ce soit joli. Et voilà, donc je vais me lancer à faire ça devant N'oubliez pas les paroles en fond. Encore du montage, j'ai beaucoup de montage à faire parce que du coup j'ai un premier vlog à monter et tout. Mais je suis trop contente, en vrai là je suis à fond sur les réseaux, je suis la plus heureuse. Mon papa va pas tarder à rentrer et je pense qu'on va se prendre un petit apéro. Il y a enfin mon bébé. Et puis comme je l'avais dit, apéro. Hop là, à consommer avec modération bien évidemment. L'alcool est dangereux pour la santé, je préfère le rappeler. Hello. C'est reparti pour une nouvelle journée, je parle pas très fort parce que je crois que mon papa dort encore. Aujourd'hui, journée qui s'annonce plutôt cool, je suis très très contente. Let's go! Je m'en vais faire ce que j'appelle ma tournée des chiens. Parce que là, on a encore la petite fabulette que vous connaissez bien maintenant. Mais... on se calme! Et vous allez voir, je vais vous montrer, là je vais dans une maison où il y a trois gros chiens. Des oies, des poules, des lapins, des tortues. Allez, je file d'abord les voir eux. Et après on va aller voir Fabulette. Alors nous voilà arrivés. On commence par allumer la lampe. Des petites tortues. Donc faut surtout pas mettre les mains, hein. Comme vous pouvez le voir, nous avons trois gros loulous qui nous attendent. Vous avez tout. Ah, j'avais oublié le mouton. Alors les oies c'est très con, hein. Donc vous, j'arrive. J'arrive les bébés. J'arrive. Je m'occupe. D'abord les lapins. Je vous présente le premier petit lapin qui est trop choupinou. Et le deuxième. Donc là faut que je mette des petites croquettes. Oui. Ok, donc ça c'est Jeannot. Et ça c'est Cacahuète. Coucou Cacahuète. Et donc là on arrive au plus intéressant. Les oui. Donc je dois d'abord la promener elle pendant une demi-heure. Et une fois que j'aurai fini la balade avec elle, les deux zigotos iront se balader dans le grand terrain. J'aime pas les oies. Bon, c'est un jeune chien. Hein. C'est un chien qui a même pas un an, je crois, ou un an. Du coup, elle a. Pleine d'énergie, donc on est parti, ça va me faire mon sport et ça va être ça matin et soir quoi. Elle a eu son petit repas, t'as pas faim? Oui ma douce, je reviens ce soir, hein, t'inquiète pas. Hein. Nous avons Oli et Iris. J'irai bien chercher des œufs, mais les oies, voilà, les oies me font peur. Et voilà, les deux loustiques se sont bien baladés, ils ont eu leur petite nourriture. Allez, je vais filer, arrêtez de me hurler dessus, je vous déteste. Non mais, maintenant direction voir Fabulette. Contente, aujourd'hui j'ai droit à une fête. Ouais, ma fifi. Pile quand c'est la dernière fois que je viens. Enfin pour l'instant. J'adore quand il fait ça. J'appelle ça la position Superman. Ouais, mon pipi à moi. Je t'aime fort fort fort. Et recoucou, je vous reprends que maintenant parce que j'ai passé mon après-midi très clairement à faire une sieste. Et à terminer le montage du premier vlog. Et là, j'ai moins de 15 minutes pour me faire une tête. Donc je vais me maquiller très vite fait, c'est pas très grave. Faut vraiment que je me bouge les miches. Parce que je dois aller voir les chiens en fait avant d'aller au concert et tout. Enfin, là, ça va être la giga course. Donc là, en fait, je retourne voir tous les chiens, machin de ce matin. Ensuite, je file chez ma pote pour qu'on mange. Et ensuite, on file. Je suis désolée, ce vlog, c'est nimp. Hein. Et ensuite, on file au concert de Big Flo et Oli. Voilà, avec la grande longe à promener la petite mémé. Hey, salut, je suis chez Maryse. Vous la reconnaissez? Vous la reconnaissez, vous pouvez que la reconnaître quand même. Hey, franchement, je suis bien accueillie. Hein. Moi, je suis toujours bien accueillie chez les gens. Vous avez vu comment je squatte chez les gens? Et après, on se dépêche et on va au concert de Big Flo. Par contre, faire un piercing au téton 3 jours avant un concert, si j'avais pas réfléchi, je vais sauter. Ça va faire mal? Ah, ça va faire mal, je pense. Ah, bon, là, oui. Ils vont bien, tu vois, ils ont survécu aux chiens déjà. Moi qui survivront, hein. Survivront. Ouais, survivront. Il manque un R. Non, t'as dit survivront. Bon, bref. On a hâte. Oui. On a très hâte. Oui. Mais tu sais qu'on était pour aller.
dit bonsoir au public de Big Flo et Oli. Vous êtes pas Oli de Big Flo et Oli? Oui. J'adore vos cheveux. En revanche, j'aime pas trop les cheveux de votre frère parce qu'il n'y en a pas. Mais surtout parce que Big Flo et Oli ce sont... Mais aussi des artistes d'une générosité hors du commun. Hors du commun, sérieux les gars? Oui, c'est bien hors du commun. En fait. Le melon. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, devant vous, fans de la première heure, devant vous, les plus un qui est venu avec les fans mais qui connaissaient que... Assez dommage. Ils ont fait d'autres chansons, ok? Flatteuse cette lumière, déjà que j'ai une tête de cul, mais alors là, bon bah je reviens après le concert. Écoutez, c'était trop bien, vraiment une ambiance de feu. Je suis trop dégoûtée, je l'ai pas filmé. Ils ont rien compris, Big Flo et Oli, parce qu'on s'est mis à chanter galette saucisse. Et là, ils étaient quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui avait une pancarte qui disait chanter galette saucisse. Du coup, bah ils l'ont lu, ils ont fait c'est quoi ça? Bienvenue à Rennes, et oui, parce que ça, c'est Rennais, galette saucisse. Donc du coup on a chanté à fond galette saucisse dans la salle, on était à fond. Vraiment Big Flo et Oli étaient en mode what the fuck. Juste après, c'est pas, il y a un mec qui crie et en fait du coup il y en a plein qui ont crié ouais. Et là ils ont fait mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait ce soir il y avait aussi un match avec le Stade Rennais. Et du coup on venait de marquer un but. Ah. Et du coup bah voilà, Big Flo et Oli ont appris ça, ils sont... Ah donc là il y a match ce soir, il y en a dans la salle qui ont dû choisir entre notre concert et le match de foot. Et puis du coup bah, on a tous applaudi parce qu'on a marqué un but. Enfin franchement, ambiance de dingue. Je me suis éclatée. Je suis crevée, là vous voyez il est 23h40. Mais en rentrant je dois faire ma douche avec shampoing. J'ai pas le choix parce que déjà j'ai sué comme un porc. Mais je dois faire mes shampoings aussi parce que j'ai les cheveux sales et que demain j'ai un baptême. J'ai les chiens et tout avant hein. Donc je mets un réveil tôt. Voilà, vous, en fait vous avez un extrait en ce moment de ma vie qui est une course sans fin. Donc je vous dis à demain. Et bonjour, c'est parti pour une nouvelle journée. Il est beaucoup trop tôt à mon goût. Devinez où je suis. Où est-ce que je peux bien être avec tout ce beau monde qui me hurle dessus? Je vous laisse noter ce Flo sur 10. On va aller se balader? Ouais. Oh oui, t'es pleine d'énergie. Ouh là là, ça va être sportif ce matin. Oula, oula, oula. Et voilà, oui, t'as soif ma belle, ça t'est sportif hein. En voilà une de promener et de nourrir. Et alors là, je vais libérer les deux fauves. C'est parti. Voilà. Oui ma belle. Oui. Oui, 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 oui. Aïe, aïe, aïe. Mes mères. Zouf. Va courir. Profite. Et me revoilà chez moi. Aujourd'hui, j'ai un baptême, le baptême de mon neveu et de ma nièce. On fête aussi l'anniversaire de ma belle-sœur et de sa mère. Donc, grosse journée. Préparez-vous à une transformation physique totale. Et tada! Quand je vous avais dit transformation totale, on y est. Très coloré tout ça, hein. C'est là que je me suis lâchée sur les yeux, je sais pas ce qui m'a pris. Mais bon, voilà. J'aime bien, j'adore cette combi. Elle est trop belle. Ah, ma crème solaire, justement. Quel pilote! Bon bah voilà, on s'en va direction l'église pour le baptême de les petits loulous. C'est pas français hein. Je pense pas filmer beaucoup du coup aujourd'hui très clairement parce que c'est un événement familial. Je suis très très rouge, j'oublie presque en fait que du coup j'avais les cheveux rouges. Bah là je suis dans le thème rouge hein. Il y avait pas de thème rouge mais bon. Alors, pas grave. Heureusement qu'on s'occupe pas des thèmes parce que moi je suis chaud. Moi je suis pas à poil. Oh bah tiens, il y a un mariage à cette église là. Ah non, c'est la messe normale. Bon, c'est pas un enterrement vu les tenues. Ah bon, mais c'est l'époque des baptêmes et puis les baptêmes c'est toujours après la messe. Ah ok, on apprend tous les jours. J'étais enfant de cœur hein, donc Ah ouais, on apprend tous les jours, c'est fou. Carrément. Vous croyez connaître les gens et en fait ils ont été enfants de cœur. Moi c'est pas la partie baptême qui m'intéresse le plus, c'est l'après. C'est la fête.
La table des enfants. La belle arche. Pour faire des belles photos. On a tous des dragées. Oui. Ouais. Oh. C'est pour YouTube là. Il n'y a pas de problème. Ok, c'est la tata. Mais par alliance, ça marche pas. Moi je suis la tati. Bah et alors ce sera quand même par alliance, vous pouvez divorcer. Ah ouais d'accord. Eh ben ouais, ça se passe comme ça ici. Moi j'ai les liens du sang. Trop beau le gâteau. C'est bon, ça enregistre. Et qu'est-ce que tu veux enregistrer? Je sais pas. Ah c'est bien. Bonsoir. Wow. Attention au ballon, ouais. Il a tapé dans le truc. Wow. Oh, encore un autre. Bah, joyeux anniversaire Béatrice. Incroyable. Et recoucou. Attends, je baisse la musique parce que j'ai les droits d'auteur. Écoutez, là on a quitté pendant un peu plus d'une heure la fête de famille et on y retourne parce que vous savez j'avais les chiens, les machins, les trucs à gérer. Mais je me suis fait accompagner d'Eva. Coucou. Elle est trop cool, elle m'a amenée parce que déjà je voulais pas y aller seule et parce que honnêtement j'ai trop bu pour conduire. Voilà, et elle a fait Sam pour moi. Voilà. Donc là on retourne à la fête familiale. Il est, je sais pas quelle heure il est, 20h15, on y retourne. En fait je pensais pas que ça allait finir aussi tard. J'ai mal à la gorge encore du concert d'hier soir. Ouais. Mais bon, let's go. Oh c'est la golden hour. Oh wow. Wow. Oh wow. Bonsoir. Nous sommes quelques jours plus tard, c'est la Margot du montage. J'ai oublié de conclure ce vlog, donc je le fais maintenant. Merci si vous êtes restés jusque là, merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos. Vous savez pas comme ça me fait plaisir vraiment. Merci d'être si fidèles, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour tout. Je vous aime très fort et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.